Bienvenue à la sortie officielle du premier canton sur la paroisse Notre-Dame de la Visitation avec grand public. Je viens de recevoir mon tout premier trophée, ce qui marque mon entrée dans le Royaume international des Vierges. J'aimerais d'abord remercier le promoteur, M. Delano, ensuite la sœur Yasmine qui m'a permis de connaître qu'il y a un tel mouvement qui existe au Bénin. Je suis très très heureuse parce que la virginité était déjà une conviction personnelle. Maintenant, une fois dans ce creuset, je sais que je vais pouvoir lutter et pouvoir aider plein de sœurs à ne pas se laisser aller aux hommes juste comme ça. Avant de découvrir le Royaume international des Vierges, je ne cesse de parler de la pureté du corps, de la virginité, parce que c'est tout à fait évangélique et c'est également humain. Et au regard des drames liés à la vie sexuelle débridée de nos jours. Et quand j'ai découvert le Royaume international des Vierges, je me suis rapproché des autorités puisque j'ai eu à parrainer une fille de ma paroisse, Yasmine Yonkosu, et c'est grâce à elle que nous venons d'installer le premier canton des filles vierges sur cette paroisse. Donc c'est un sentiment de joie, de fierté, et je suis très content. Grande est toujours ma joie à chaque fois, après sensibilisation, après formation, d'accord, de voir ces filles-là se faire consulter et que le médecin atteste qu'elles sont réellement vierges. Et ensuite vient le jour où nous essayons quand même de les distinguer d'une certaine manière. Et grande est vraiment ma joie de voir que le peuple béninois, petit à petit, malgré ses vices, essaye quand même de garder la tête haute. D'accord. Et nous n'allons pas baisser les bras, nous allons tout faire pour que la jeune fille, la jeune féminine, soit toujours préservée. C'était la sortie du premier canton Notre-Dame de la Visitation avec grand public.